Salut Seb, bon, je fais cette petite vidéo pour toi sur le sujet de la gamme pentatonique mineure, donc penta 5 notes. On va voir ensemble la gamme blues aussi, qui n'est pas plus compliquée que la penta, puisqu'il y a deux notes en plus. Voilà, c'est tout, pas plus. Comment la déplacer un petit peu sur le manche, en prenant soin des intervalles. Donc des notes qui seraient un demi-ton plus bas et qui sonneraient faux. Hein, bon, j'ai juste ça à respecter. Et puis après, on va voir sur le tracking ce que ça donne, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc le schéma dans notre penta, bon, je sais que tu le connais. Donc cinquième case, on démarre. Hein, voilà. On va rajouter les notes blues qui sont donc à la sixième case corde de la, okay. Huitième case corde de sol, me trompe pas, oui. Voilà, donc ça va donner ça. Voilà, donc maintenant on va voir sur un tracking ce que ça donne. Je vais bien le mettre au début pour me donner le temps des quatre temps. 2, 3, 4.
Voilà, donc tu vois ce que tu peux faire. Ah, bon, il y a d'autres, on peut faire des slides, des pull-off-hammer, des hammer, etc., etc., etc. Voilà, donc cette petite vidéo, j'espère que te permettra de te lancer un petit peu plus dans les solos et puis jouer un petit peu plus rapidement que moi. Parce que moi, rapide, j'y arrive pas.